Bon. Qui êtes-vous déjà? Je ne sais pas. Vous vous demandez qu'est-ce qu'il fait? Et pendant ce temps, il se demande qu'est-ce qu'il fait? Mais moi-même, je me demande qu'est-ce que je fais? Yo, bande d'orangés, ici le mat. Bienvenue dans Hypnotchase, le jeu qui n'aurait jamais dû sortir de sa boîte. On ne sait pas pourquoi il est là, mais c'est ainsi qu'on l'intitule le jeu random. Et oui, Hypnotchase. On sait pas trop. Ah, bon, on va commencer tout de suite par vous montrer les crédits. Parce que vous ne les verrez plus jamais. Firelight Technologies, au revoir. Un jeu qui marche quand même avec le workshop et qui a un éditeur de niveau. Mais qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. C'est plus... Bon, ça a l'air très mignon. Très mignon. Bon, on sait pas trop. Très mignon. Bon, vous dites sûrement que j'ai pété un câble. Ce qui n'est pas très loin de la vérité. Ou de la réalité. Bref, on va quand même essayer de s'essayer à ce jeu. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est une merde hélicoptère? Ok, bon. Ce jeu a l'air très mignon, ça me rappelle un peu Ori and the Blind Forest, donc là, ça va être le tutoriel. Mettez le truc de bois. Ok. Go. Qu'est-ce qu'il fait ce con? La musique adaptative par rapport au mouvement du personnage. Magnifique. Ok. L'abus de sucreries est mauvais pour la santé. On va pas faire ça pendant toute la vidéo quand même. Si? Si. D'accord, ok, j'ai ramassé ce jeu, on ne sait pas trop où. Donc, le but, si j'ai bien compris, parce que je découvre un peu avec vous, on peut accélérer la vitesse. Est-ce que le jeu crache? Non, ça me le jeu à traîner. Et ça accélère. Tac, tac. Waouh, faut faire marcher son cerveau. Et est-ce que, par exemple, je veux dire, bats les couilles, tu vois, ce niveau, il m'emmerde un petit peu. Moi, je passe direct au kaboom désert. Oh, on peut faire ça. Et si je dis, par exemple... Je veux aller au Spooky Cave, je peux y aller, génial. Windy Peaks, mais moi je veux aller dans le Mystery. Ah, Mystery, tu peux pas. Ok, et Windy Peaks, moi tu peux Windy Peaks. Comme vous voyez un peu plus du jeu, je vous montre un peu des biomes au pif. Waouh. Waouh. C'est la merde qui vole, d'accord, il est là. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ah. Ah, faut les activer. Oui. Fini le niveau. Qu'un gâteau? Pas rigolo, on recommence. Alors. Donc là, par exemple, s'il fallait là, tac, tac, là il vole, là. Par contre, si je le récupère pas, il meurt. Donc ça veut dire que je dois. Ça marche là? Ouais! Arrête-toi. Oi! Ok. Wouh! Bah voilà! Très facile ce jeu! Bon, pas du tout attrayant, mais très facile quand même! Regardez-moi cette tête de con! Faudrait de la musique derrière, j'ai l'impression d'être tout seul. Bon, on va essayer. Alors, ça m'a pas l'air très compliqué. À moins que... Alors, ça marche. Qu'est-ce que tu fais où? Pourquoi il est énervé comme ça? Il fait des triples saltos. Oh, calme-toi. Waouh, slow motion. Oula, calme-toi. Donc il est énervé. Très intéressant. Et si, par exemple, il était moins énervé, qu'on disait « très énervé », voilà, genre comme ça, ça marche. Oh, je peux même pousser les bulles. Oui, ça marche. Regardez, je suis un génie. Merde, il a pas pris l'autre. Fuck. Bon, c'est pas grave. On continue vite fait, voilà, on va pas trop s'étendre sur ce jeu, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, à part la petite musique. Très bien. Voilà, on va juste faire un truc sur Spooky Cave avec des baleines qui volent, mais... Bomb carte, nickel. Donc, si je devrais résumer ce jeu, je dirais qu'ils ont eu des gros problèmes, soit à la naissance, soit ils ont pris de la drogue. Du coup, qu'est-ce qui pourrait être sympa? Donc là, imaginons... Attendez, on a une fraise. Ça sert à quoi, ça? Il faut qu'il soit content. Ok. Non, la fraise. Ramène la fraise. Non, la fraise! Non. Mais il reste en l'air, ce con. Oh, putain. Attendez, c'est compliqué, là. Et si je lui fais manger direct, qu'est-ce qu'il dit? Il est content. Waouh. Je crois que je suis un génie, les mecs. Vas-y, va plus vite pour voir. Slow motion.
Le mec saute pour manger un gâteau, hein. C'est-à-dire que là vous êtes au bord de la fenêtre, vous vous mettez accroupi tel une grenouille, vous sautez pour choper le gâteau qui est en face de vous accroché une corde par une grue. Pourquoi personne comprend ce que je dis? Congratulations, you've unlocked a mystery puzzle. Ah, donc c'est ça le mystery, on a pu voir quand même quelque chose de concret, du coup je vous ai monté quasiment tout le jeu je crois là. Hein. Bon, alors j'imagine que le workshop sert à montrer les créations d'éditeurs, c'est ce qui me paraît le plus simplement évident. Ok, donc là... Là, il y a de la grande... Est-ce que... C'est juste une truc de sécurité. Ah, mais il est en... D'accord. Il est en PLS. Faut pas lui laisser le choix. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que je peux shooter le bonhomme? Ah, non. Ah, ok. Ça sert à ça. Il y a quoi dedans? Ok, bon. Je sais pas trop ce que c'est. Alors, sucks thing and... Shoots them out. D'accord. Tu manges des choses, tu les bouffes. Donc, si on met ça là-dedans, imaginons, par exemple, hein, est-ce qu'il le bouffe? Non, pas du tout. si on rajoute ça, est-ce que tu oses marcher? Non, tu es buggé. Ok, ça j'ai pas trop bien compris. Ah si, mais attends, mais faut cliquer dessus. Mais oui, quel idiot. Non? Tiens, mange. Oui, ça marche! Merde. D'accord, c'est un aspirateur. Je me disais... Bon. Ok, bon. Imaginons. Regarde, maintenant, tu fonctionnes. Très bien, s'il fonctionne. Ok, donc maintenant, il est coincé en haut. Ça sert à quoi? On va tester ça. Attendez, hop. PU. PU. D'accord. Si je vise mieux avec, peut-être. C'est juste pour être sûr, hein. Il n'y a rien de spécial. D'accord. Et si on tire encore plus haut? Je dis non, attention. Et si on met ça? Qu'est-ce qui se passe? Merde. Hop, on mélange tout en même temps. Tac, on fait ça. Là, 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 on va lui bombarder la gueule. Oh, ça marche! Bichette! J'ai tué! Merde. Ok, petite expérience dernière. Alors, on va tirer. Lui, il va aspirer les boules, c'est possible? Ok, je peux jouer au ping-pong. C'est génial, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Ça va bientôt se finir. Parce que c'est pas très rigolo, quand même. De faire mourir un petit bonhomme comme ça. Ah, peut-être, attendez, petite, si on fait une glissade de la rampe de la mort qui tue, comme ça. Attendez, non, j'ai encore une meilleure idée. Attendez, hop, si on fait ça comme ça. Je suis sûr pour me prendre pour un fou. Vous avez raison. D'accord. Bon, voilà. J'espère que vous avez bien apprécié. Et je pense qu'il est temps de finir. Donc, pour finir, la meilleure chose à faire, je pense, c'est d'aller au menu. Voilà, j'ai même pas envie de vous montrer le truc editor. En tout cas, c'est un petit jeu bien sympa si vous voulez faire ça pour votre gamin ou des trucs comme ça. Si vous avez un petit gamin, c'est pas très rigolo. Voilà, on a la petite musique rigolote. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était court, concis, mais suffisant. Je pense pas passer beaucoup de temps de ma vie sur ce jeu. Sur ce, c'était les jeux random. À la prochaine. C'était le Mat. A plus. Ça suffit.